Il y a des millions d'années, le démoniaque Sledge essaya de s'emparer de la plus grande puissance de tout l'univers. Emparez-vous des énergèmes ! Un extraterrestre appelé le gardien confia les énergèmes à des dinosaures. Vous devrez mettre les énergèmes en sécurité. Quant à Sledge, je les aurai ! Il fut envoyé au fin fond de l'espace. Aujourd'hui, les énergèmes ont été retrouvés. Et Sledge est de retour pour combattre une nouvelle équipe de héros. Dino Chargeur ! Les Power Rangers Dino Charge ! Les Rangers sont peut-être détruits duplicons, mais j'ai adapté cet appareil pour qu'ils puissent le réanimer. Je suis vivant! Vivant! Formidable! La prime pour sa capture s'élève à 20 000 lingots spatiaux! Enfermez-le et nous deviendrons riches! Encore faut-il que ces imbéciles puissent m'attraper! Je m'en vais! Et pour aller où? On est au fin fond de l'espace, espèce d'abruti! Vive Halloween! Oh là là! J'ai drôlement hâte d'aller chercher des friandises! Attrapez cette tête de clone! Je vous en supplie, ne me jetez pas en prison! C'est sale et ça sent mauvais! Je t'interdis de dire du mal de mes magnifiques cellules! Hé, hey, mais Morella, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oh, cérébral! Qu'est-ce qui lui prend? Toutes les énergèmes sont à vous, Maître Sledge! L'univers entier va se prosterner devant moi! Hein? C'est une bombe! Mes astéroïdes! Quelle andouille! Vous pensiez posséder les énergèmes, mais le gardien vous a joué un tour! Elle lit dans mes pensées! Garde! Enfermez-les tous les deux dans le congélateur! Attendez! Si nous pouvions capturer ne serait-ce qu'un Power Ranger, je pourrais lire dans ses souvenirs! Oui, et moi j'en ferai un clone dans lequel mes Morella pourraient se fondre! Nous créerions ainsi un faux Ranger qui pourrait s'introduire dans leur quartier général et me rapporter les précieuses énergèmes! Qu'est-ce que je suis intelligent! Les enfants vont bientôt arriver. Ouh, Chase, merci pour mon costume de fantôme, il est génial. Ouh, attends un peu, toi aussi t'es déguisé en fantôme? Soit quelqu'un a mis des miroirs partout, soit nous sommes tous des fantômes. Oh, j'aime quand on est tous pareils, comme dans Tribu. Même sous ce superbe déguisement, je devine que t'es pas contente. Chase, j'y crois pas, tu nous as tous fait le même costume. Ouais, vous savez, j'ai trouvé que le premier m'allait si bien que j'ai décidé d'en faire 6 autres. Mais même sous un drap, je suis toujours aussi beau. Alors comme ça, vous êtes déguisée en Cupidon, Mademoiselle Morgan. Oh, c'est en honneur du nouveau Dino Cupidon Chargeur. Oh, et quelle noble cause pourrait-il bien servir, Mademoiselle Morgan? Il suffit qu'un monstre reçoive une décharge pour qu'il tombe aussitôt amoureux de la première chose qu'il verra. Oh, comme ça il sera plus violent. Mais c'est génial! Allez vite, on est déjà en retard à notre propre fête! Dépêchez-vous! Allez, tape dans la piñata! Tu l'as raté de feu, Tyler! C'est Coda, Kendall! Pardon, Coda. Il y a de beaux costumes cette année. Tyler! C'est ça. Wow! Surtout celui-là.
Bonsoir, Power Ranger. Honte cérébrale. Viens avec moi, Power Ranger, et apporte tous tes souvenirs avec toi. C'est l'endroit idéal pour lire dans les pensées. Assieds-toi et ne bouge plus. Détends-toi. Le prélèvement des souvenirs n'est pas douloureux. Ou si peu. Honte cérébrale. Vas-y, Duplicon. Dépêche-toi de changer Memorella en Faux Ranger et de la ramener ici avant que les autres ne se doutent de quoi que ce soit. C'est le moment d'étirer mes muscles copieurs. J'ai l'impression de loucher. En tant que Power Ranger, tu vas pouvoir avoir accès à leur base secrète et voler toutes les énergèmes. Si tu réussis ta mission, on ne retournera plus dans une de ces cellules crasseuses et infectes. ADN extraterrestre détecté ici, à la soirée. Mais cette alerte remonte à plus de 20 minutes. C'est Duplicon et Curio. Ils ont enlevé un Ranger. Rangers, retrouvez-moi tous à la base immédiatement. On arrive, Mademoiselle Morgan. Faut qu'on se dépêche, ça a l'air urgent. Fantôme à la rescousse. Alors, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un souci? Tout à l'heure, un Ranger a été kidnappé à la soirée, mais... vous êtes tous ici? Ce qui veut dire que l'un de vous est un imposteur? Ah! Te voilà comme un coq en panne! Je veux que tu restes ici quoi qu'il arrive et que tu surveilles le Ranger jusqu'à mon retour, compris? Tu vas aller chercher des bonbons sans moi? Bien sûr que non, voyons. Ne quitte pas le prisonnier des jeux. Mais je veux des bonbons, moi aussi. Oh, c'est le pire Halloween de ma vie. Puisque l'un d'entre vous est un clone, je préfère garder les énergèmes jusqu'à ce qu'on découvre de qui il s'agit. Et comment on va savoir qui est qui? Je vais vous poser quelques questions. Seuls les vrais Rangers sauront y répondre. Moi d'abord, je vais prouver que je suis pas un clone. Pose ta main sur le détecteur de mensonges. J'ai programmé l'appareil afin qu'il démasque l'imposteur. Bon. Riley, quand as-tu découvert que Tyler et Shelby avaient des énergèmes? Quand j'ai dû m'arrêter au bord de la route suite à une panne de scooter. Tyler et Shelby m'ont pris en stop. Au secours! Au secours! Mon mari est coincé à l'intérieur, j'ai besoin d'aide! On va vous aider! Vous n'avez rien! On va vous sortir de là! Ok, on peut y arriver en unissant nos forces! À trois! Un, deux, trois! Comment ils ont fait ça? Wow. Quoi? Et en venant ici, on a découvert qu'on était des Power Rangers. Ouais. Question suivante. Comment on s'est débarrassé de la bombe de Wrench et de Smokescreen? C'était pendant la journée des fossiles. On avait voulu la déplacer quand, tout à coup... Attention! Oh non! Où ils vont comme ça? Feu à volonté! On leur a rendu la monnaie de leurs pièces à ces deux-là. Grand souvenir, en effet. Je pense que ça devrait suffire. Ordinateur, Riley est-il un vrai ou un faux Ranger? Riley est... vrai Ranger. Je te rends ton énergème. Coda?
à mon tour. Comment as-tu fait pour sortir Peter de la caverne quand vous avez été enlevé par Slammer? Oh, Peter était vraiment très malin. Si t'étais malin, tu m'attaquerais par surprise. Attention! J'en ai deux pour le prix d'un. Peter, j'ai un petit frère comme toi. Je le protège. Alors, je te protégerai. Je te le promets. Tu vois cette flèche? C'est là qu'on est, ok? Vous les avez localisés? Coda? Grâce à son GPS et à mon instinct, on s'est évadé. C'est bien ça, Mademoiselle Morgan. Ordinateur, Coda est-il un vrai ou un faux ranger? Coda est... vrai ranger. Ouais. Duplicon est parti chercher des bonbons, alors pourquoi pas moi? Puisque le ranger est endormi, je pourrais en profiter pour m'absenter 5 minutes. Il ne risque pas de s'envoler. À moi les friandises. À ton tour, Tyler. Comment as-tu rencontré Chase? Chase, je sais même pas si tu t'en souviens, mais... Excuse-moi, tu travailles ici? Ouais, pourquoi? Je cherche cette grotte. Mon père y a fait des fouilles il y a quelques années. Fais voir. Ah, les grottes Samson. C'est là qu'on a trouvé ce fossile. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville. Super, merci. Oh, pas de soucis. Doucement, c'est pas le moment de rater une marche. Waouh, un fossile de dinosaure, c'est un truc de malade. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça ressemble à du cristal. Si j'avais pas rencontré Chase, j'aurais jamais trouvé mon énergème. Comment tu savais le nom de ton Zord quand tu l'as vu pour la première fois? Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un tyrannosaure! Mais attention! Le Tyrannosaur, c'est impossible! Lâche-moi, espèce de crevaison! C'est une question piège. Je l'ai pas appelé. C'est Rexy qui est venu vers moi. Bonne réponse. Ordinateur, Tyler est-il un vrai ou un faux ranger? Tyler est... vrai ranger. Chase! Voilà, voilà, j'arrive, Mademoiselle Morgan. Tu sais ce que tu dois faire. Je rigole. Chase, c'est bien lui. Comment avons-nous vaincu le clone géant de Fury et le géant duplicon? Ah, Riley! Ne lui donnez pas d'indice. Ouais! Avant de vous en prendre à moi, les Rangers, vous allez devoir commencer par affronter Fury en mode géant! Gaz, chargeur, activation! Mes yeux! Ça me brûle les yeux! Ce prout était un vrai coup de génie maléfique, Kendall. Merci, Chase. Et c'est Mademoiselle Morgan. Oh! Ordinateur. Chase est-il un vrai ou un faux ranger? Chase est... vrai ranger. Merci. L'énergème noire est entre de bonnes mains. Donc, l'un de nous est un imposteur, Milady. Ah.
Tu es nerveuse? J'ai juste hâte que ce soit terminé. S'il vous plaît. Pourquoi as-tu subitement décidé de t'habiller en princesse de Zandar? Parce que j'adore les princesses. C'est pas le souvenir que j'en garde. Regardez cette tiare. Ça vaut une petite fortune quand on pense à ceux que ça pourrait nourrir. Mais une princesse égoïste l'a conservée au fond d'un coffre, juste au cas où elle devrait la porter pour le grand bal. Quel gaspillage. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai vraiment adoré la tenue. Ah ouais, t'es sûre de ça? J'arrive à peine à respirer. J'ai les pieds en compote comme s'ils sortaient tout droit du mixeur. Je refuse de faire semblant d'être une princesse pourrie, gâtée et pleurnicharde. T'as pas besoin de faire semblant, on dirait. Bon. Ok. Je voulais jouer la princesse pour pouvoir retrouver le ptérochargeur. Voilà pourquoi. J'ai la classe, hein? Peut-être que je devrais jouer la princesse. Pour qu'on puisse retrouver le ptérochargeur. Ordinateur, Shelby est-elle un vrai ou un faux ranger? Shelby est... une menteuse. Imposteur détecté. C'est pas moi, je le jure! J'étais persuadée que tu étais fourbe. Qu'as-tu fait de la vraie Shelby? Réponds! Qu'est-ce qu'on fait des monstres, Mademoiselle Morgan? C'est bon, je te crois, Shelby. Quoi? Hein? Voici ton énergème. Ce n'est pas elle, le monstre. Alors, de qui s'agit-il? Quoi? Hein? Gota! C'est pas moi! Parce que je suis moi. C'est ça? En effet, Koda, tu es toi, et c'est lui l'imposteur. Comment vous avez deviné? C'est bien ça, Mademoiselle Morgan. Qu'est-ce qu'on fait des monstres, Mademoiselle Morgan? Il m'a appelé Mademoiselle Morgan deux fois. Koda m'appelle toujours Kendall. Donne-moi mon énergème. Essaie de la prendre. Je suis autant Koda que toi. Il n'y a que le vrai Koda qui peut régler ce problème. Elle a repris sa véritable apparence. C'est une chauve-souris. Elle sait où se trouve notre base. On va la rattraper. À plus tard. La voilà! Transformation! Dino puissance! Aucune défaillance! Power Ranger, ça... Dino charge! Vivi! Débarrassez-moi de cette bande de parasites! Que le combat commence! On va leur régler leur compte, vite fait! Direct chargeur, activé! Dino Sam! Souffle puissant! Shelby, sers-toi du nouveau Dino Cupidon chargeur que Mademoiselle Morgan a conçu! Bonne idée, Yvan! Dino Cupidon chargeur, activé! Dino Morpheur, coup de foudre! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Faites-lui un gros câlin, Vivix! Oh non! Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous prenez? Achève-la, Yvan! Avec grand plaisir! J'invente le Théon Sabre! Théon Chargeur, activé! Frappe foudroyante! Bâtard! J'aime pas ça du tout! Faisceau Magna! Je vais vous fabriquer de nouveaux souvenirs! Elle s'est changée en monstre! Laissez-moi faire, j'invente le Ptérosaure! Dino chargeur activé! Ptérocharge Megazord, activation! Je vais mettre cette demoiselle en danger! Yeah! Oh!
espèce de mufle! Tyler, invoque le Pachyzord! Dino chargeur activation! J'invoque le Pachyzord! Pachy chargeur activé! Activation Térocharge Megazord! Formation Pachy! Bienvenue, vaillant chevalier Tyler! Finissons-en avec cette chauve-souris! Entre un bonbon et un mauvais tour! Je choisis le mauvais tour! Boule déferlante! Zéro attaque éclair! Lance électrochoquer! Pachyzord, boule déferlante! Frappe fatale! Monstre éliminé! On s'est régalé! Tu avais pour mission de leur apporter mes énergèmes, mais tu as préféré collecter des bonbons! Non, Maître Sphinx! On a tout fait pour éliminer les Rangers, je vous le jure! On n'est pas allé sur Terre pour s'amuser! On s'est bien amusé, n'est-ce pas, Duplicon? Regardez tous les bonbons qu'on nous a donnés! C'est le plus bel Halloween de ma vie! Si je comprends bien, on n'a plus qu'une chose à faire! Oui! Vous allez moisir dans la plus sale et la plus infecte de mes cellules! Allez! Alors ça, c'est ce qui s'appelle du travail d'équipe. Yvan et toi, vous vous êtes très bien servis du Dino Cupidon chargeur. Ouais... Mais je pense qu'il est coincé dans mon dinomorpheur. Au fait, dis-moi la vérité. Pourquoi t'avais voulu faire la princesse quand j'étais le prince? Tu veux savoir? J'ai... Ça va, Chase? Excuse-moi, désolé. C'était le Dino Cupidon chargeur. La première personne qu'il verra, il va en tomber amoureux. Hey, tu sais que t'es canon, toi? Quoi? À qui parle-t-il? J'en sais rien. Hey, dis-moi, tu fais quoi ce soir? Toi, le super beau gosse, hein? Ah, génial! Eh ben, le voilà encore plus amoureux de lui qu'auparavant. Il y a très longtemps, un extraterrestre nommé le Gardien confia le plus grand pouvoir de l'univers à des dinosaures. Vous devez mettre les énergèmes en sécurité. Des millions d'années plus tard, les énergèmes ont été retrouvés et le démoniaque Sledge ne recula devant rien pour les dérober. Jusqu'à ce que les Power Rangers réussissent enfin à le vaincre. Mais des cendres de la défaite de Sledge est née une nouvelle menace. Une seule équipe de héros sera capable de l'arrêter. Dino chargeur activé! Ce sont les Power Rangers Dino Supercharge. Vous cherchez à vous débarrasser de quelqu'un sans délai? Conduisez-le devant le tribunal intergalactique d'Halloween, où je pourrai les pulvériser! Mon nom est Scumlo et vous pouvez compter sur moi! Mon annonce est toujours diffusée après 65 millions d'années! Tu nous as fait une de ces peurs! Ce n'est pas en restant assis toute la journée qu'on va battre les Power Rangers, Poison Drap! Donne-moi ça! Tu n'as pas le droit de nous piquer notre popcorn, espèce de chat croutière calée! On va lui donner une bonne leçon! Curio, libère Scumlo de ses chaînes! Ouvre ton gage! Vous? Et qui voulez-vous traduire devant le tribunal d'Halloween? Les Power Rangers, évidemment! Et quand j'aurai leurs énergies en ma possession, on te rendra ta liberté! D'accord! Marché conclu! Pourvu qu'il ne soit pas parti. J'ai tellement hâte de récolter des bonbons avant d'aller à la fête. Des monstres! Depuis le temps que je voulais rencontrer les Power Rangers. Voyons ce qu'ils manigancent. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes cité à comparaître devant le tribunal intergalactique d'Halloween. Vous allez être enfin puni pour tous vos crimes. Rendez-vous devant les juges. Ce sang évaporé. On fait un retour en force! Et bientôt les énergèmes seront à moi! Time.
joué. Voici des bonbons en guise de récompense. Hé, le sachet est à moitié vide, c'est pas juste. Vous aurez le reste après avoir traduit les Rangers manquants devant la justice. Comme je connais bien le jury, je gagnerai ce procès en un clin d'œil. Maintenant, envoyez-moi au tribunal. J'ai un procès qui m'attend. Bon, allons capturer les autres Rangers, d'accord, mais avant, on va aller se manger un beignet. Encore faudrait-il avoir une bouche. Ils sont à nos trousses. Il faut qu'on sache d'où ils sortent. T'as vu? Ils ont perdu quelque chose. Oh oh. Où est-ce qu'on est? On dirait une salle de tribunal. La séance du tribunal intergalactique d'Halloween est maintenant ouverte. Affaire suivante. Les Power Rangers se sont accusés d'avoir éliminé des monstres innocents. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Des monstres innocents? J'espère que c'est une blague. On n'a fait que défendre la Terre. Silence! Écoutez attentivement. Pour chaque crime pour lequel vous serez reconnu coupable, vous obtiendrez une voix. Si vous arrivez à 10 voix, vous serez condamné à être anéanti. La question n'est pas de savoir s'ils vont les obtenir, mais quand? On est dans le pétrin. Que la cour fasse entrer mes premiers témoins. Ninja et j'étais sorti me balader quand les Power Rangers m'ont attaqué. Et moi, je cherchais un endroit où manger au moment où ils m'ont tendu un piège. Ils doivent être à la poursuite de Tyler. On n'est pas seul. Koda. Les Rangers n'ont pas mordu à l'hameçon. Le voilà. Arbalète fulminante. Dino souffle. On était tous les deux innocents et pourtant ils n'ont pas hésité à nous détruire. Terreau chargeur activé. Fusion énergétique. Terreau sabre, frappe fatale. Ma dernière chasse est terminée. Frappe fatale. Destruction. Fantastique. Ça ne s'est pas déroulé comme ça. Ninja avait téléchargé dans nos clés USB un virus qui m'avait changé en T-Rex. Active le programme armement. Bon, c'est l'heure de vérité. T'es prêt à le tester? Ouais, j'ai hâte de voir de quoi il est capable. T-Rex superchargeur activé. Tyler! C'est pas normal. Tyler, est-ce que ça va? Alors, vous voyez, c'est Ninja qui est dangereux. Et c'est Hunter qui nous attendait pour nous attaquer. Vous n'êtes qu'une bande de menteurs. Les faits parlent d'eux-mêmes. C'est le jury qui tranchera. Membres du jury, rendez votre verdict. Coupable. Quoi? Dingue. Deux voix. Une pour chaque monstre que vous avez détruit. Mais c'est impossible. Il a menti au jury. Commencez à compter les voix. Dès que vous en aurez obtenu 10, vous disparaîtrez aussitôt en fumée. Je n'ai trouvé aucune trace des autres Rangers. Maudite machine. On devrait récolter des friandises. Le document que vous avez trouvé est une convocation devant le tribunal intergalactique d'Halloween où les Power Rangers vont être jugés. Mais nos camarades n'ont commis aucun crime. Le procureur est le redoutable monstre Scumlo. Il n'a jamais perdu aucun procès. Il n'a jamais perdu, dites-vous? Comme je connais bien le jury, je gagnerai ce procès en un clin d'œil. Je pense qu'il doit tricher en manipulant le jury. La cour est extrêmement puissante. Si par malheur nos amis obtiennent 10 voix, alors ils seront condamnés à la destruction. Le seul moyen de rentrer à l'intérieur du tribunal, c'est en tant que prisonnier des gardes de la momie. Mais si on se fait capturer, on sera jugé nous aussi. Peut-être, ou peut-être pas.
Je crois que je connais deux personnes qui peuvent nous aider. Faites entrer les prochains témoins. Spellbinder et Gold Digger. Encore deux modèles d'honnêteté. Pourquoi on ne choisit pas des témoins? Silence! Décrivez-nous les crimes des Power Rangers. Ils nous ont exterminés tous les deux à deux reprises. Quoi? La première fois, je donnais un cours d'hypnose aux accusés. Oui, un simple coup. Hé, hey, remets ça en place. Prends ça, misérable humain. Quels sont vos ordres? Débarrasse-moi d'elle. Non, Chase! Résiste! Concentre-toi! Tu oses défier mon maître! Tire! Supprime-la! C'est un ordre! Qu'est-ce que... À tes ordres. Non. Une petite séance d'hypnose n'a jamais fait de mal à personne. Ça s'est pas passé comme ça. Et tu le sais très bien, c'est qu'un menteur. Silence. Alors arrête de mentir. Ouais. Laissez le témoin terminer. Oh. Gold Digger et moi, on partageait le même corps quand on a laissé Ekil distribuer ses pièces d'or aux pauvres. Me revoilà, mais sous la forme d'un hybride. Appelez-moi Spelldigger. De l'or! De l'or pour tout le monde! De l'or! C'est gratuit! C'est moi qui vous l'offre! Oh, ces pièces étaient maudites. Elles ont rendu les gens cupides. L'homme au coin de la rue les a donnés à tout le monde. Vous revoilà. Est-ce que ça va? Ah, c'est la mienne. On avait été tellement charitable envers vous, mais ça ne vous avait pas empêché de nous éliminer. À nous deux. Orkylosaure. Coup de masse fatal. Vous devriez avoir honte. Membres du jury, rendez votre verdict. Coupable. Trois voix supplémentaires. Donc deux pour les avoir éliminés une première fois. Vous inventez des lois de toutes pièces. Et une pour le jour où ils ont dû partager le même corps. Ce qui fait cinq voix pour l'instant. Parfait. C'est honteux. Toi, tu en mérites une pour faute professionnelle. Silence. Nous sommes innocents. Non, non, calmez-vous. Silence. Tu ne fais pas partir. Des extraterrestres. Ils sont tout près d'ici. Pourvu que ça marche. Que le spectacle commence. Sir Ivan, nos amis sont sûrement en danger. Nous devons leur venir en aide. Être ou ne pas être, telle est la question. Shakespeare, t'es sûr? Je le connaissais bien. Restez où vous êtes! La fête d'Halloween est terminée. Vous allez nous suivre. On va passer devant le tribunal, on dirait. Faites entrer les derniers témoins. Décrivez-nous les crimes des Rangers. La première fois que je les ai rencontrés, je faisais du camping quand un de leurs ordres m'a attaqué. C'est quoi ce machin? Je crois que c'est un T-Rex. Ah, attention! Un T-Rex Zord. Lâche-moi, esprit de gros lézard. Ensuite, j'ai cherché à sympathiser avec eux en les aidant à garder leur sang-froid. Oui, c'est ça. Hein? C'est n'importe quoi. Et à chaque fois, ils m'ont mis en pièces. Frappe fatale! Frappe fatale!
Lancement en jeu rouge. Dino pointe. Frappe fatale. Non. Monstre éliminé. Encore des salades. Ce gars Ice Age, il a essayé de nous voler les énergèmes roses et pourpres avant de nous emprisonner dans des blocs de glace. Surprise. Oh. Ah. Oh. Non. Ah. Ils sont magnifiques. Maître Snide, regardez ce que j'ai congelé. Tout à fait. C'est lui le coupable dans l'histoire. Baliverne. Silence. Témoin suivant. Les Rangers n'ont pas cessé de me pourrir la vie. Je ne compte plus les fois où ils m'ont fait la peau. La première, ça a été quand j'ai voulu calmer leur ankylosaure d'enragé. Mais le pire est arrivé le jour du marathon où j'avais offert de l'eau fraîche aux coureurs. Stingray, je raconte des mensonges. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il avait piqué Koda et l'ankylosaure. Ça l'avait rendu fou. Il nous avait attaqué. Ah! Tu saisis? Est-ce que ça va? Bye bye, profitez bien du combat contre votre ami. C'est pas cool, mec. Koda, arrête. Tyler. Calme-toi. On dirait un dard, il faut qu'on l'arrache. Maintenez-le. Les gars. Ça va, tu te sens mieux? Oui, tout va bien. Pourquoi vous... Attention. C'est l'ankylosaure. Et Stingrage s'était associé à Ekil pendant le marathon. Et aussi sa potion nous avait fait oublier qui nous étions. Il voulait nous voler nos énergèmes. Ça marche. Bientôt les énergèmes seront à nous. Message à tous les coureurs. Le marathon d'Amber Beach débutera dans 5 minutes. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il est où le marathon? On dirait qu'ils ont tous perdu la mémoire. C'est le poison. Oh, il doit y en avoir dans l'eau. Et puis... Elle a un drôle de goût. Qu'est-ce que je fais ici? C'est Stingrage qui nous avait poussé à le tailler en pièces. Objection! Accepté. La parole est maintenant à Météor. J'étais en Nouvelle-Zélande pour un match de rugby. Quoi? J'adore ce sport. Ensuite, j'avais sympathisé avec un gentil paléontologue avant que les Power Rangers me tombent dessus. Quoi? Il aidait les deux autres à voler l'énergème pourpre à Albert. Elle raconte n'importe quoi. Laisse-moi terminer. Ensuite, il a joué les maîtres chanteurs avec le docteur Runga pour avoir le plésiosaure. J'arrive, plésiosaure. Qu'est-ce qui te prend? J'ai l'intention de détruire ce sort. Je le laisserai pas faire chez lui. Hey, donne-moi ça si tu ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Lancez-le aux orques qui est au fond de la grotte. Non. Wow. Il est en train de reprendre des forces. C'est fantastique. C'est mauvais signe. Attention. Sauvons-nous. Oui, c'est l'exacte vérité. Oui. Ils ont tout inventé. Ils avaient demandé à leur plésiosaure enragé de m'attaquer. J'ai encore tout raté. Poussez-vous. Dépêchons-nous. Membre du jury, rendez votre verdict. Ça fait 10 voix. C'est fini. Vous êtes condamné à vous faire pulvériser. C'est n'importe quoi. C'est du délire. Non. Regardez qui arrive. Oh non. Ils ont aussi capturé Yvan et Kenda. Félicitations, messieurs. Ces deux Rangers doivent aussi être condamnés pour les crimes dont on vient de parler.
Ils se feront donc pulvériser avec les eaux. Une minute. Quoi? Il est évident qu'il y a des criminels dans cette salle. Mais ce ne sont pas les Rangers. C'est le jury. Retirez leur masque. Non! Objection! Ne les touchez pas! Je crains le pire! Ce sont les complices de Sledge. Le jury s'est fait manipuler. C'est Scarlett qui nous a forcé la main. Ce sont les gardes qui m'ont trahi et pourtant je les avais payés en bonbons. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Papa! Prince Philippe! À votre service. Vous n'êtes pas mes gardes! Les Rangers se sont donc disculpés de toutes les charges qui pesaient sur eux. Ouais! Génial! Quant à toi, Scamlow, tu es condamné à être pulvérisé à leur place. Quoi? Non, votre honneur! Je peux tout vous expliquer! En fait, j'ai menti. Je ne peux rien expliquer du tout. Adios. Suspension de séance immédiate. Rassurez-vous, votre honneur. On va s'occuper de lui. Faites ce que vous voulez, étant donné que vous êtes libre désormais. La séance est levée. Tu vas payer pour ta supercherie. Vous voulez faire justice vous-même, les Rangers? Venez me chercher. Transformation. Dino chargeur. Activation. Dino chargeur activé. Avancez. Bras. Libère le pouvoir. Ya 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 ya. Ne les laissons pas s'échapper. Non. Ya 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 ya. Ils auraient besoin d'un avocat parce qu'ils sont incapables de se défendre. Et un ténor du pharaon. Et on gagnera le procès haut la main. Et ils seraient condamnés sans circonstances atténuantes. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Vivix, levez-vous. Oh non, on va avoir besoin de renforts. J'invoque les ordres. Bien joué, Para. Occupons-nous de Scumlow et laissons les Vivix aux ordres. Ça marche. Allons-y! Allons nous dégourdir les poings! Nouille, est-ce que je peux m'en sortir avec juste une tape sur les doigts? Pas cette fois, Scumlow! Si, je suis fier de toi. Dépose les armes, Scumlow. Jamais. Tu l'auras voulu. Dino, sourd. Frappe fatale. Avec la seule. Ouais. Monstre éliminé. Oh, on l'a échappé belle. Heureusement qu'on a pu s'éloigner de ces trois horribles juges à tête de citrouille. C'est clair, je ne veux plus jamais les revoir. Qu'est-ce qu'elles sont mal hurlées comme ça, ces poules mouillées? Vous ne savez pas comment sculpter une citrouille d'Halloween? Écartez-vous, espèce d'amateur! Je vais vous montrer comment font les professionnels! Je n'ai pas perdu la main. Vite! On peut encore faire la fête à condition de partir maintenant! Enfin, on va voir à quoi ressemble un vrai Halloween! On va devoir vous ramener au tribunal! Non! Pas cette fois! Vous pouvez nous faire tout ce que vous voulez, on n'ira nulle part! Par soupirlise! Oh.
Étant donné que nous étions déjà costumés, on s'est dit qu'on pourrait aller avec vous. Eh ben, alors en route. Ouais. En avant. Ils ont bien eu ces deux-là. Je sens qu'on va s'amuser comme des fous. Cool, joyeux Halloween.